Bonjour, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va faire une séance de communication progressive du français avec 270 activités. Alors, on commence dans quelques instants la séance d'aujourd'hui avec vous, Monsieur Soudalel de la chaîne Je Communique TV. Alors, si vous êtes nouveau, il vaut mieux de vous abonner, hein, de cliquer sur le bouton d'abonnement. Et aussi, cliquez sur la cloche pour avoir de nouveautés. Mettez des likes, des vidéos si vous aimez, bien sûr. Et aussi, ajoutez des commentaires, remarques, pour mieux améliorer notre chaîne Je Communique TV. Avec vous, Monsieur Sevedel. On commence tout de suite. Alors, voici donc la situation de communication pour aujourd'hui dans un magasin de chaussures. Alors, la cliente avec la vendeuse. Est-ce que je peux essayer les sandales qui sont dans la vitrine? Oui, madame. Quelle pointure faites-vous? Je fais du 38. Voilà. Alors, ça va. Non, c'est trop petit. Est-ce que vous avez le même modèle en 39? Non, désolé, mais j'ai un autre modèle dans le même style. Vous voulez l'essayer? Oui, pourquoi pas. Alors, ça vous plaît? Non, pas vraiment. Je vous remercie. Je vais réfléchir. C'est donc la situation de communication qu'on a déjà fait. Auparavant, on continue toujours avec grammaire. Il y a différence entre dans et sur. Par exemple, dans la boutique, dans le sac, dans la vitrine, dans ma taille, dans ma voiture, dans le même style, dans la rue. Utilisation de sur. Par exemple, sur la table, sur la chaise, sur la route, sur l'autoroute, sur le plan, sur la photo. On dit sur la table, sur la chaise, sur la route. Sur l'autoroute, sur le plan, sur la photo. Alors, vocabulaire, on dit un magasin de chaussures, une paire de chaussures, à talons hauts, à talons plats, des sandales, des bottes, des mocassins, des chaussures de sport, des tennis, des baskets, un modèle la pointure. On continue avec manière de dire. Est-ce que je peux essayer? Je voudrais essayer. Est-ce que vous avez ce modèle en? Quelle pointure faites-vous? Je fais du. Est-ce que ce modèle existe dans ma pointure? Est-ce que vous avez un autre modèle dans le même style? Alors, remarque de vocabulaire. L'expression je vais réfléchir signifie poliment qu'on ne veut pas acheter maintenant. On passe maintenant aux activités, toujours avec la première, vrai ou faux. On dit la cliente voudrait essayer des chaussures d'été, vrai ou faux. La première paire ne va pas, vrai ou faux. La cliente achète une paire de sandales, vrai ou faux. Continue avec compléter par don ou sur. Compléter par le nom approprié. C'est un jeu de vocabulaire, complété par le nom approprié, c'est un jeu de vocabulaire. Complétez le dialogue par des expressions convenables. Est-ce que je peux? Oui, monsieur, quel? Voilà. Alors, c'est tout à fait clair maintenant. On va voir, bien sûr, la correction dans quelques instants. Restez toujours connectés, s'il vous plaît, sur notre chaîne Je Communique TV. Alors, voici donc la correction de faire des achats numéro 2. Voici donc les activités vraies ou faux et complétées par don ou sur. Alors, vrai ou faux? On dit la cliente voudrait essayer des chaussures d'été. C'est vrai. La première paire ne va pas. C'est vrai. La cliente achète une paire de sandales. C'est faux. Complétez par don ou sur. On dit les chaussures sont dans la vitrine. Il a posé le livre sur la table. Est-ce que vous avez ce modèle dans ma poitrine? J'ai mis un manteau sur ma veste parce qu'il fait froid. J'ai trouvé ce pull dans une petite boutique à côté de chez moi. Il a mis les stylos dans son sac. Est-ce que vous avez des sandales dans le même style? Elle aime bien les chaussures qui sont sur la photo. Alors, on dit dans la vitrine, sur la table, dans ma poitrine, sur ma veste, dans une petite boutique, dans son sac, dans le même style, sur la photo.
C'est ça la bonne réponse. On passe à autre chose maintenant. Allons-y. 3. Complété par le même approprié, par le nom approprié. On dit Guillaume va courir aimer des espadrilles. Ou des baskets. À la plage, Valérie porte des sandales. Il pleut, il fait froid, colère, mais des bottes. Voilà, des bottes. Comme Claire est très grande, elle porte des chaussures à talons. Renou porte des baskets quand il est au travail. Par exemple, Marion achète une paire de chaussures. Une paire de chaussures. Alors, 4, complétez le dialogue. On dit, est-ce que je peux essayer les chaussures marron qui sont dans la vitrine? Est-ce que je peux essayer les chaussures marron qui sont dans la vitrine? Dans la vitrine. Oui, monsieur, quelle pointure faites-vous? Je fais du 41. Désolé, je n'ai pas ce modèle dans ma pointe, dans votre pointure, mais j'ai un autre modèle. Dans le même style. Vous voulez l'essayer? Alors, le premier mot, c'est essayer. Est-ce que je peux essayer les chaussures marron? Est-ce que je peux essayer les chaussures marron? Qui sont dans la vitrine. Oui, monsieur, quelle pointure faites-vous? Je fais du 41. Désolé, je n'ai pas ce modèle dans votre pointure, mais j'ai un autre modèle. Dans le même style, vous le laissez. Alors, c'est donc la correction de ces activités. J'espère que vous avez bien apprécié. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez vous abonner dans notre chaîne Je Communique Civi. Vous pouvez ajouter des commentaires si vous voulez pour mieux améliorer notre chaîne Je Communique Civi. Et vous pouvez ajouter aussi des likes comme signe que vous avez bien apprécié. Voilà, c'est tout pour le moment. C'était avec vous, Monsieur Youssef Dallal de la chaîne Je Communique Civi. Je vous présente d'autres vidéos, bien sûr, pour communication progressive du français avec 270 activités. Sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et aussi les adultes qui ont un niveau passable de français qui aimeraient, bien sûr, améliorer leur façon de communiquer. C'est avec vous, Monsieur Sefdalet de la chaîne Je Communique Civi. Au revoir.